une conférence inaugurale en présence des citoyens, surtout des étudiants du CAFOP et de l'École normale d'administration. Dans cette salle, l'on assiste aux journées de la fonction publique. Objectif, améliorer la qualité du service public en Côte d'Ivoire. Toute cette transformation globale que vous constatez au niveau de la Côte d'Ivoire doit être impulsée par notre administration et par ses animateurs qui sont les fonctionnaires et agents de l'État. Nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir donc non seulement valoriser le service public, mais valoriser également les animateurs de ce service public. Vous avez vu à travers le cas du ministère du Budget et du portefeuille de l'État que le ministre de la fonction publique est entouré d'experts, de fonctionnaires de haut vol, d'agents de l'État qui agissent avec professionnalisme, avec sérieux chaque jour pour donner corps à cette vision, pour donner une image à cette vision du président de la République qui veut d'une administration publique performante. Tous les efforts qui sont déployés par le gouvernement, en particulier nous dans notre département ministériel, pour assurer une transformation donc, du service public. Parce qu'un service public efficace, ce sont des activités économiques qui s'accélèrent, la création de richesses qui devient plus importante, ce sont donc des Ivoiriens qui leur pouvoir d'achat qui s'améliore et qui leur permettent donc de desserrer les contraintes qui sont les leurs. Une initiative appréciée et soutenue par les responsables de l'administration publique ivoirienne. On retient que, effectivement, dans le cadre de ce travail très important qui mérite d'être fait pour moderniser notre service public, pour le rendre efficace, efficient, que ce travail qui a été fait par le ministre du Budget, du portefeuille de l'État, est un travail très important. Nous tenons à le féliciter au nom des 8 structures centrales et fêtières pour le travail important abattu. Notons que ce rendez-vous crucial représente la 3e édition des Journées de la fonction publique, un cadre d'échange et de partage d'expériences qui a pour but d'améliorer l'écosystème administratif ivoirien.